Salut tout le monde, c'est Nico, votre coach, et nous allons voir au cours de cette vidéo l'élévation du bassin. C'est un exercice de niveau débutant pour les muscles fessiers. Pour le faire, nous allons tout simplement nous mettre sur le tapis, voilà, et nous allonger sur le dos. Voilà, comme ceci. Dans cette position, comme vous pouvez le voir, j'essaie de ramener là mes talons le plus près possible de mes muscles fessiers. Ok ? Les mains sont allongées à plat sur le sol et j'allonge enfin la tête. Le but de l'exercice va être non pas de descendre ses fesses complètement à plat sur le sol, mais de venir descendre, frôler le sol et tout de suite immédiatement remonter les fesses le plus haut possible. Ok ? Et cet exercice va être à réaliser 30 répétitions. Et bien écoutez, si vous êtes prêts, je vous invite à le réaliser avec moi. Donc dans cette position, je vous rappelle, les pieds à peu près largeur du bassin, on descend sur le sol, les mains à plat sur le sol également. Inspirez et expirez en décollant les fesses. On descend, inspire et souffle en remontant. Ça fait 2. Inspirez et ça fait 3. On inspire, soufflez, ça fait 4. Encore, on s'accroche. Et 5. Descendez. Et 6. Est-ce que ça va? Oui, hein? Et 7. Allez, encore. 8. 9. Et 10. Essayez à chaque fois. Hein. Surtout, n'oubliez pas, à chaque fois que vous montez les fesses le plus haut possible, vraiment, essayez de contracter vos muscles fessiers. Ne montez pas juste un tout petit peu en vous disant, ça y est, là, je suis assez haut. Essayez de monter à chaque fois le plus haut possible pour que les muscles fessiers se contractent au maximum. Allez, encore. 7. 8. 9. 20, allez, plus que 10. Normalement, vous devez commencer à sentir le travail dans les muscles fessiers. Et peut-être également sur l'arrière des cuisses. Allez, encore. 4. 5. Allez, les 5 dernières. Plus que 4. Plus que 3. Plus que 2. Allez, la petite dernière. Et on se relève. Voilà, vous avez dû sentir le travail hein, au niveau des muscles fessiers et peut-être sur l'arrière des cuisses. Donc cet exercice d'élévation du bassin, vous devez le réaliser 30 répétitions. Une fois que vous avez terminé, vous devrez encore le répéter 3 fois. D'accord ? Pour avoir maintenant des résultats véritablement efficaces, ce que je vous conseille, c'est de coupler l'élévation du bassin avec 3 autres exercices sur les muscles fessiers. Ça marche ? Et je peux vous assurer que votre fessier sera bien sculpté.